Let me introduce to you my grandson Nirvan, a grade five student who is now developing a series for solving math problems in French. Great solutions from Nirvan. Here we go with six examples where we are adding fractions with different denominators. Here is Nirvan Cherche pour solutions sur internet. Ne trouve rien. Me voici avec toutes les solutions en français, mathématiques avec Nirvan. Aujourd'hui, nous avons, nous allons ajouter les fractions avec les dénominateurs différents. N Il y a les questions ici pour toi. À faire et je vais faire ces questions. Première question. 3 sur 8 plus 1 sur 4. Huh. Comment est-ce que nous pouvons ajouter? Tu peux voir que le dénominateur est différent. Ça c'est 4 et ça c'est vide. Alors, nous devons faire le, nous devons chercher la dé, dénominateur moins commune dénominateur d dé pour dénominateur et M pour moins et C pour commune. Pour chercher le dénominateur moins commune, nous devons laisser le dénominateur à un même nombre. Ici, ici est 8 et 4, tu dois chercher le facteur des 8. Un facteur de 8 est 4 parce que 4 fois 2 est 8. Alors, si nous allons multiplier ça fois 2 et ça fois 2, nous avons 3 sur 8 plus 1 sur 2 sur 8, désolé. 3 plus 2 égale 5 et le dénominateur reste la même. La réponse ici est 5 sur 8. Très bien. La prochaine question. Et tu peux faire ces questions seules si tu veux. Question 2. 2 sur 5 plus 1 sur 4. Hum, ça c'est difficile. Hum, 4 fois 2 et 8, 4 fois 3 et 12. Nous ne pouvons pas voir qu'est-ce que c'est le, pl le plus moins dénominateur. Alors, nous devons multiplier cet nombre par cet nombre. Et ici, 4 fois 5. 4 fois 5 égale 20. Alors, le dénominateur moins commune égale 20. 4 fois 5 et 20. Et tu dois multiplier ça avec 5 communes. Ici, tu dois... Multiplier 5 par 4 pour faire 20 et tu dois aussi multiplier. C'est commun. <coughs> La question maintenant: 1 fois 5, 5, 5 x 4, 20 plus 5 x 4 20, 2 x 4 égale 8. Et maintenant, nous pouvons voir. Que nous pouvons ajouter ici 5 plus 8 sur 20 5 plus 8 égale 13 et le dénominateur reste la même alors la réponse est 13 sur 20 très bien c'est la dernière question aujourd'hui Prochaine question et la dernière. 1 sur 4 plus 5 sur 6. Pour, pour, voir, pour chercher la dénominateur moins commune, maintenant, tu dois voir qu est -ce, combien, quel nombre est-ce que 6 et 4 peut entrer en dans la même. Je vais te voir une très facile manière de faire. Je fais un table comme ça. Maintenant, tu dois voir. Ok, ici, 4. Quatre. 4 ici, quatre est le premier. Et 6 est le deuxième. Maintenant, nous pouvons... Chercher 2, 2 fois quoi et 4? 2 fois 2 et 4 et 2 fois 3 égale 6. C'est très confusant. Maintenant, nous devons multiplier ça, ça et cet nombre. Multiplier 2 fois 2 fois 3 égale 2 fois 2 4 et 4 fois 3 12. La dénominateur moins commun égale 12. Alors, le dénominateur ici est 12 et ici est 12. 4 fois 3, tu sais, est 12. Alors, tu dois multiplier 1 et 3. Et pour 6, pour entrer 12, nous devons multiplier par 2. Alors, nous devons multiplier 5 par 2. 1 fois 3, 3. Et dénominateur est 12. Plus 5 fois 2, 10. Dénominateur 12. 10 plus 3 et 13 et la dénominateur reste la même et il y a quelque chose aussi plus différent 13 sur 12 c'est un fraction impropre pour tout, pour faire la réponse plus bien tu dois changer entre une fraction mixte. Pour chercher la plus bonne réponse, nous devons changer entre une fraction mixte. 13 sur 12 égale 12 sur 12 plus 1 sur 12. 12 sur 12 est 1 et 1 sur 12 est 12. Alors, la réponse est A, 1 sur 2. Ça, c'est la bonne réponse. Merci pour regarder mon vidéo. J'espère que tu as compris beaucoup. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et subscribez sur mon channel. Au revoir!